Nous avons beaucoup de chance. C'est une fête médiévale qui est protégée ou bénie par le dieu soleil, puisque je crois qu'on va passer une très très belle journée de par le soleil. Ça n'aurait pas été la même s'il avait plu. La fête médiévale, elle a été créée, animée par les 30 élèves du club Mémoire, Memoriae, pendant un peu plus d'un an pour tout bâtir, tout ce que vous voyez devant vous, ces ateliers. Avec des élèves hyper motivés, dont je suis encore une fois très fier. Voilà, le but c'était de faire de l'histoire bien sûr, de donner du plaisir sur la culture, et puis de créer un projet fédérateur au sein du collège, de faire rencontrer les gens, et puis d'inviter nos amis des écoles primaires environnantes, de Seuillé, de Magné, Saint-Germain bien sûr, à participer à cet événement. Voilà. On a bientôt des futurs CM2 au collège, donc ils voient un petit peu ce qui se fait au collège. Un projet fédérateur, se rencontrer, partager, et puis bah, pourquoi pas donner envie et plaisir aux gens de venir au collège. Hein. Ça serait une belle récompense si ça pouvait déclencher des choses à travers cet événement. Donc, je m'appelle Laurent, sire de Tiffauges. Je suis un chevalier sous les ordres du roi. Et nous sommes en l'an de grâce 1380. Et là, nous formons nos futurs recrues, c'est-à-dire qui se débrouillent vraiment très très bien, au combat à l'épée. Donc, on leur a présenté l'épée en tant que symbole, l'épée en tant qu'objet, sa composition, puisqu'il faut connaître son arme avant de pouvoir la pratiquer. Et ensuite, nous avons commencé à travailler quelques gardes, la posture, et les prémices de beaux combats. Et c'est en cela que je détecte chez eux une étincelle de talent. Donc je serais très heureux de pouvoir poursuivre leur entraînement et de les avoir sous les ordres. Franchement, ça, les ateliers que j'ai fait pour le moment, c'est super chouette. J'ai appris plein de trucs et tout, surtout au niveau de la discipline quand on manie l'épée. Pour la danse, c'était drôle. Vous allez avoir l'épée quand on ne sait pas danser, c'est compliqué. Même si c'est pour et là, l'épée, c'est plutôt intéressant. Moi, je m'appelle Dame Aéris. Je suis chargée d'apprendre la danse donc, aux élèves et de leur apprendre en fait pourquoi on danse au Moyen-Âge, donc que ce soit pour des codes sociaux, genre des balles, ou alors pour battre la terre, enfin pour tasser la terre. Donc, on a beaucoup de pas qui tassent la terre. Et surtout aussi, c'est un moment convivial. On est souvent en cercle, on alterne les garçons et les filles, mais aussi peut-être mélangés. Et ce sont des bases très simples, très faciles à apprendre et qui fait que comme elles sont répétitives, tout le monde peut s'amuser, peut rejoindre la danse et que ça reste quelque chose de festif et ludique. Ah, franchement, jusqu'à présent, c'était super bien, même si c'était un peu chaud. Mais en vrai, ça va, c'est super intéressant parce qu'il y a plein de trucs. Ils nous expliquaient qu'on voit dans les films et tout ça, c'est pas du tout la vraie vie. Et du coup, il y a plein de choses, c'était un peu étonné. Bonjour, je suis Dame Laura. Ici, je vous fais découvrir la cuisine au Moyen-Âge. Donc, on va parler vraiment de tout ce qu'on peut manger, les fruits, les légumes, le gibier, les animaux de la ferme, comment on mange aussi avec les ustensiles, la vaisselle, les pratiques, les coutumes. Et on parle aussi d'hygiène, tout cela au Moyen-Âge.
suis Dame Brunissante et moi je suis héros d'armes. Comme avec ma fonction, je sais lire et écrire, je me permets d'enseigner à ces enfants la calligraphie. La calligraphie, donc, l'art de tracer des signes d'une façon harmonieuse et savante. J'ai bien aimé parce qu'on a appris plein de nouvelles choses qu'on ne savait pas avant. Voilà. Ça fait très beau, du coup, ouais. Les ateliers, ils sont super bien. Les gens qui encadrent sont très gentils, ils ont le sourire. L'ambiance est très sympa. On a découvert vraiment beaucoup de trucs. C'était vraiment bien, vraiment. Bonjour, je suis Dame Caroline. Pour cette journée, je suis héros d'armes. Donc héros, attention, H et R A U L T. Je fais donc l'atelier héraldique. Héraldique qui vient du mot héros. Et j'enseigne la science, et non pas l'art, la science des blasons et des armoiries. Moi je m'appelle Simon, sur les campements médiévaux je me fais appeler Sire Robert de Richebourg. Là aujourd'hui spécialement je fais une présentation sur les armures utilisées au Moyen-Âge, de manière très large, depuis quasiment l'Antiquité jusqu'à la toute fin du Moyen-Âge, on est sur un panel très très large d'armures. Et puis de manière plus générale, en médiéval, moi je travaille pas que sur les armures mais aussi sur les armes, sur l'escrime, sur l'épée en particulier, sur la chevalerie, sur la guerre, sur la stratégie, sur tout l'aspect guerrier, militaire, chevalerie, etc. Voilà, c'est ma spécialité. Bien, je trouve que les décors sont super jolis, c'est hyper, hyper bien. Les gens qui encadrent le médiéval sont géniaux. C'est hyper bien expliqué, c'est hyper intéressant et en plus ça permet aux plus jeunes d'apprendre un peu comment ça se passe au Moyen-Âge sans vraiment être dans une ambiance d'école, donc c'est cool. Bonjour à tous, je suis Dame Cécilia et je suis maître bâtisseur. Ma mission ici est de construire les plans du château pour le comte d'Auvergne. Le comte d'Auvergne m'a fait venir depuis ma région du comté de Toulouse et maintenant il faut lui construire un château. Ma mission, ça va être d'aider les petits lapins, c'est-à-dire les ouvriers du maître bâtisseur, à réfléchir aux plans, aux mesures et à la construction d'un futur château. En gros, on va faire de la géométrie appliquée à l'architecture. Oh.
Bonjour, je suis Hervé Rosset. Donc ici c'est l'atelier cirque, donc dans l'esprit saltimbanque un petit peu. Donc ici il y a un atelier d'équilibre avec le rollabola. Voilà la jeune fille qui essaie toute seule de monter dessus, non elle essaie pas. Nous avons en jonglage deux thèmes, donc le thème avec le diabolo et puis le jonglage balle tout simplement, le jonglage classique, dans l'esprit du saltimbanque. D'archerie médiévale, donc nous expliquons le maniement et l'histoire de l'archerie à travers l'époque médiévale, plus précisément au XIVe siècle, bien que ça ne soit pas le seul siècle qu'on utilise, avec le maniement des arcs et flèches, la technique pure. On va présenter aussi différents types d'arcs, différentes formes d'arcs, avec chacun leur utilisation, leur histoire, différentes formes de flèches aussi. Avec leur utilisation et la raison pour laquelle elles ont ces formes-là, tout simplement. Et puis voilà, ainsi que quelques petites anecdotes de l'histoire concernant l'archerie et ce qui s'y rapporte. Bien, parce qu'il y a plein de comédiens qui nous apprennent des choses nouvelles qu'on ne savait pas, on pratique. C'est bien aussi parce qu'il y a beaucoup de gens et ils ont l'air de bien s'amuser avec tout ce qu'on prépare, tous les ateliers, et du coup, bah, c'est bien. Je suis Grévenor de Carac. Grévenor de Carac, c'est un troubadour de la langue d'oc, chantant d'occitan, multi-instrumentiste, compositeur, dans la troupe Caminaire. Caminaire qui signifie chemineur. On part monts et par vaux. On va récolter, semer chants et mélodies et on va partager ça un peu partout là où on peut. Et du coup, voilà, je joue de la cornemuse, je joue plein d'instruments à cordes, d'instruments à vent, on va dire principalement. Et j'ai appris tout ça un petit peu, on va dire, en autodidacte, un peu tout seul et surtout aussi grâce aux rencontres. Et on a un petit peu aussi appris un peu comme à l'époque, c'est-à-dire par transmission orale. Donc on se transmet des mélodies, on se transmet des informations un petit peu pour savoir comment utiliser nos instruments. Donc voilà, c'est un petit peu ça le parcours et genre, c'est mon métier, donc c'est super. C'est trop bien, les ateliers sont super bien expliqués, moi j'aime bien. Puis voilà, c'est convivial, on a travaillé dur pour ça, donc c'est cool. Un an de travail abouti. Je trouve que la compagnie elle est très très intéressante. On nous apprend des choses par rapport au Moyen Âge, donc comment ils vivaient, leurs instruments, ce qu'ils aimaient faire, et puis même leurs armes de guerre. Ils apprennent très bien aux autres des choses, donc moi j'aime ça. Le prophète Isaïe. Le prophète Isaïe. Il a son peuple réuni. Il a son peuple réuni.